Bon, vous voulez qu'on crie. Vous voulez qu'on crie pour que vous confirmez, non? Vous voulez qu'on crie, qu'on parle fort, qu'on crie pour que vous confirmez, non? Tout à l'heure, j'ai fait ma vidéo très posément. Et vous dites, depuis le premier jour, j'ai dit, faites attention de ce débordeau-là. Parce qu'il y a un mot qu'il ne veut pas employer depuis. Le mot de malhonnête qu'il ne veut pas employer depuis. Mais je vais finir par employer ce mot. Je vous ai dit que le type si avait commencé à faire des concerts avec la chanson Viviane. D'autres sont venus me dire que où est ça, non? Écoutez un peu ça. Écoutez. Écoutez, hein. Il est un peu comme ça. Ce n'est pas le conseil ici. C'est le conseil, non? Ça, c'est pas le conseil. Il chante pour qui? Bon, pendant qu'il chantait ce son, Débordeaux, viens nous dire en quelle année tu faisais le concert. Tu as fait combien le concert avec le son de Prince Thierry? Le concert, c'était en quelle année? C'était à mal occasion de quoi? Dis-nous. Est-ce que Prince Aimé était au courant de ce concert? Comme vous dites que quand Longuet Longuet s'emballait avec Prince Aimé partout, les Malox et autres étaient où? Pendant que Débordeaux chantait la musique de Viviane Si, dans ses concerts, Prince Aimé était où? Depuis que je vous dis que le type si ne veut pas le sérieux, il a voulu faire un sale jeu. On l'a attrapé. Et maintenant, il appelle Dieu. Non, il n'y a pas Dieu qui tient quelque part, mon frère. J'ai dit depuis le début, depuis que je parle, pourquoi? Donc, Débordeaux, si je mens, fais une vidéo pour dire que Franco, depuis qu'il raconte ces trucs-là, il ment. Ou bien, le nouveau manager de Prince Aimé, Gâteau. Si je mentais depuis ce que Gâteau a fait une sortie pour dire que Franco, arrête ça. J'ai dit que le type-là a proposé 500 000 à Prince Aimé. Que de prendre tes 500 000 pour que tu partes, tu fais des millions. Avec le son de Prince Aimé, mieux, tu laisses tomber comme ça, on laisse à Dieu. Ce qui est sûr, Malox, avec tout ce que moi je vois, Malox, Moustique, Blackista, les ténors, Aimé Dany, tout cela. Et ce qui est sûr, les autres vont suivre. Même si le son-là ne prend pas, Malox, si le son-là ne prend pas, ouvre une cagnotte pour soutenir Prince Aimé. Moi, je serai le premier même à mettre même 100 000. Comprenez bien. Dès que le son-là sort, si ça ne paye pas Prince Aimé, on ouvre une cagnotte. Moi, je suis prêt à donner même 100 000 pour Prince Aimé. Moi, je parle et je tiens à ma parole. Au moment venu, si le son que les Malox ont sorti ne parviennent pas à nourrir Prince Aimé, que Malox, mais c'est que Malox a plus de pouvoir pour ouvrir une cagnotte pour soutenir Prince Aimé. Il ouvre une cagnotte, moi je donne 100 000 et je tiens à ma parole. Retenez, notez ça quelque part. Si au moment venu, Malox ouvre une cagnotte, moi je vais donner 100 000 francs. J'ai dit que, hein, je vous dis que le monsieur de Débordeaux là n'est pas un monsieur sérieux. Pourquoi tu as déjoué? L'ancien manager de Prince Aimé t'a contacté. Il y a toutes les conversations. Sauf pour dire qu'on ment. Je balance tout sur Facebook. Tout le monde entend tout ce qui se passe. Ou c'est parce qu'on parlait depuis seulement avec la bouche comme ça. On pensait qu'on n'a pas les preuves. Hein? Comme on t'a pris la main dans le sac. Tu voulais voler. On est que ya 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 ya. Comme les pédiers qui viennent attraper le poussin. Quand la main pousse, sort. Et il commence à faire comme si. Tu appelles Dieu sur quoi? Si tu voulais le sérieux dans cette affaire, frère, pourquoi? Bon, ok, on dit que tu étais déjà à l'échelle même des Manu Dibango, tu étais déjà à l'échelle de Michael Jackson. Oui, super héros, super star. Papa, présente le contrat que tu as établi, tu as envoyé au nouveau manager de Prince Aimé qui est Gâteau International pour les droits d'auteur. Présente-nous que voici un contrat que j'avais signé. Moi, j'ai signé un contrat. On peut bien signer le contrat parce que les gens disent qu'il ne peut pas voyager. On respecte l'artiste de Débordeaux. Super, super artiste. Ne voyage pas, papa. Mais à partir de la Côte d'Ivoire, tu peux faire un contrat. Tu envoies au nouveau manager. Il signe. Moi, je suis sur un contrat. Depuis 5 ans, je travaille. Mon manager, il est en France. Depuis la France, il m'envoie un contrat. Et tous ceux qui travaillent avec eux, là, il les envoie les contrats. Il signe. Ça te coûte quoi de faire un contrat et envoyer à Prince Aimé, il signe. Et maintenant, tu fais ce que tu veux. On est tranquille. C'est tout ce qu'on te demande depuis. Que nous, mieux non, laisse. Comme tu as laissé là, laisse.
que je te fais des millions, des millions, et que Prince Aimé continue à souffrir. Rien ne prouve que Prince Aimé devait toucher un 5 francs. Parce que ton esprit du départ venait chercher à donner 500 000 à Prince Aimé. C'était pourquoi? Et c'est à cause de ces 500 000 que Prince Aimé qui te donne ta bénédiction. Sa bénédiction. Frère, quelqu'un qui est dans les problèmes, hein, quand il voit même seulement 500, quelqu'un qui galère, quand il voit même seulement 10 000, pour lui, c'est comme si, gars, il ne va plus jamais avoir faim. Comme une fois encore, un handicap comme Prince Aimé. Le buzz ici, pour ceux qui pensent que ça va finir comme ça, détrompez-vous. Ça ne peut pas finir. Prince Aimé ne peut pas sortir bredouille après tout ceci. Je dis impossible. Prince Aimé ne peut pas sortir bredouille. Gars, tu n'étais pas le dieu de Prince Aimé. Tu laisses Prince Aimé. Nous-mêmes, on va s'élever pour soutenir Prince Aimé. Mais, il se voit certains, il me dit que c'est ton seul buzz. En dehors de ça, tu vas encore parler de quoi? Vous connaissez les buzz qui sont dehors? La petite Alexandra qui est décédée par noyade là-bas au Canada, j'ai parlé. Ça n'a pas fait le buzz ici sur la toile. J'ai parlé. J'ai dit qu'elle me concentre sur Prince Aimé. L'accident où s'est produit, où c'est sur quel axe là, qui a fini plus de 15 personnes hier là, j'ai parlé. Hein? Vous pensez que je suis pas au courant de tout ça? Le chef traditionnel à Douala qui a brûlé toute une église là, j'ai parlé. Vous pensez que je suis pas au courant? J'ai dit que je me concentre sur l'affaire Prince Aimé. Et on va gérer l'affaire ici. Nous-mêmes, on va se lever pour soutenir Prince Aimé. Après, c'est 1 milliard que tu devrais donner à Prince Aimé. Frère, on te demande, travaille selon les règles de l'art. Respecte les deals. Bon. Pourquoi je ne fais que poser cette question? Tous ceux qui sortent pour dire que wow, vous avez découragé des Bordeaux, il a... qui laisse. Prince Aimé meurt, alors on voit. Ok. Pourquoi l'ancien manager t'a contacté? Regarde, frère, c'est moi qui travaille, c'est moi le manager de Prince Aimé. Voilà, voilà, voilà. J'ai travaillé avec lui pendant combien de temps? Quand il était en studio, c'est moi qui manageais. Moi, je faisais ses conseils. Moi, ok. Voici, toi-même, tu te connais comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Machin, 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 machin. On fait comment? Tu as fait, tu as coupé par derrière. Je vois les artistes camerounais dire que oh, les artistes ivoiriens, que les Camerounais ne connaissent rien dans la musique. Et ils devaient chanter. Et Prince Aimé devait recevoir tous les droits d'auteur. Pas le document qui certifie que Prince Aimé devait toucher le droit d'auteur. Avant de faire le concert ici, montre-moi le document qui a autoriser Desbordeaux à faire ce concert avec le son de Prince Aimé. Montrez-moi le document qui atteste que Prince Aimé a validé, a donné son OK. Ça devait continuer comme ça. Tu as déjà mangé combien derrière le son de Viviane Desbordeaux? Pendant que tu mangeais cet argent, tu faisais tes concerts là. Prince Aimé souffrait toujours à Douala, non? Mais moi, je suis dépassé. Hein. C'est un Camerounais, vous faites comme si, je ne sais pas. Hein? Est-ce que vous vous entendez même parler? Vous vous entendez? Toute l'école que vous avez fait là, c'était pourquoi? Pour venir raisonner comme ça? Voilà quelqu'un, voilà les conseils qu'il a. Tu as fait combien de conseils avec le son de Prince Aimé? Prince Aimé était où? Prince Aimé était où? Vous venez crier sur Malox? Malox t'a empêché de travailler avec Prince Aimé, frère. Malox t'a demandé de signer un document, tout simplement. Fais juste un petit document. Ne te déplace pas. Tu es le king. Fais un document. Tu envoies Prince Aimé signe. Tu dis combien tu vas verser même à Prince Aimé. Bref, me laisse même combien tu vas verser. Dis seulement que oui. Laisse même le remix. Parce que notre problème était que qu'est-ce que Prince Aimé profite de ça? Comme tu vois qu'en entrant en studio avec Prince Aimé, tes concerts, forcément, tu vas appeler Prince Aimé. Oui. Bon, parlons des droits d'auteur. Qu'est-ce que donc Prince Aimé va gagner après? Si y a un contrat, tu dis que bon gars, tu vas toucher 10%, tu vas toucher 20% de ce que la musique va produire. On ne serait plus là. Et ton ping-pong que tu veux faire là, mon ami, les Camerounais ne sont pas aveugles. C'était avant. Oh, Marco se vient raconter les musiques, il racontait même quoi? Que tel pays, on n'a pas vu le nom des musiciens, machin. Voilà les top 10. Des pays africains qui gagnent beaucoup d'argent dans l'industrie de la musique. Où est le nom des Ivoiriens? Où est le nom de la Côte d'Ivoire parmi les top 10 là? C'est où? Quand vous chantez trop,
Donc vous êtes trop fort, vous avez des prix, vous gagnez des matchs. Quel Camerounais a eu le plus de haut, c'est de Cora ou c'est de quoi, que Makoso vient babader là. Oui, montrez-moi le top 10 des Africains, les 10 meilleurs pays africains qui gagnent beaucoup d'argent dans l'industrie de la musique. La Côte d'Ivoire ou là sur la liste. Comme vous chantez trop là, comme vous êtes trop puissant là. Les amis, partagez-moi la vidéo aussi. Bande de malons comme ça.